Ah nanana, je vais te trouver, où est-ce que là, t'es? Là, tu me trouveras pas, nanana. Je vais faire tout le tour de la maison, tu me trouveras jamais. T'es caché dans les herbes hautes, ah, bah t'es plus là, bah, attends, mais Anna, j'arrive, où, Anna? Anna, je vais te trouver, ouh, Anna, t'es caché où? Et trouvé, oh non, tu vas encore trouver tel cadeau, mais t'es trop fort. Ouais, je sais, je suis beaucoup trop fort, Anna, cette fois-ci, c'est à moi de te trouver. C'est à toi? Ok, bon, alors, bah écoute. Je vais compter par ici. Vas-y, va te cacher. Ok, je vais me cacher. Dépêche-toi, hein. Ouais, je me dépêche. Bon, alors, où est-ce que je vais me cacher? Oh, je sais. Peut-être dans les herbes hautes ici. Ici, c'est sûr qu'elle me trouvera pas. Ouh, ok. Hop là, je suis caché. C'est bon, je suis caché. J'arrive. Alors, t'as le chaos, t'as le cadeau. T'es où? T'es pas dans le coin. Peut-être dans les herbes hautes aussi, hein. Je sais que c'était une de mes cachettes avant. Je suis sûre que tu me l'as repris. Non, je suis pas dans les herbes hautes. Moi, je sens ta présence quelque part, là. Si j'étais toi, je me mettrais à courir, hein. Ah ouais? Vite! Ok, je vais là-bas, je sors des herbes hautes. C'est parti, je vais aller me cacher derrière l'arbre là-bas, près de l'eau. Ok, c'est parti. Wouhou! Je vais me cacher juste là. Le cadeau, où est-ce qu'il est? Ok, c'est bon, je suis caché. Mais c'est pas possible, je le trouve pas. Ah, peut-être qu'il a été sur un des bateaux là-bas, je vais aller voir. Ok, où est-ce qu'elle est? Regardez, elle va sur le bateau là-bas. Ah, elle est trop nulle, Anna, elle est trop nulle. Je suis beaucoup plus fort au cache-cache qu'elle. Ah, mais elle s'éloigne. Faut qu'elle fasse attention quand même de pas trop s'éloigner, hein. Ok, bon, elle va sur le yacht là-bas. Ah, je pense que j'ai clairement gagné cette partie de cache-cache. Ah, Anna, où est-ce qu'elle est? Bon, attendez, je vais aller la chercher. Anna, il va pas sur le bateau, il t'appartient pas. Ah là là, bon, où est-ce qu'elle est partie? Anna, oh, mais non, mais bon, elle est partie sur le bateau. Je suis vers la maison, t'as le cadeau. Vers la maison? Anna, t'es vers la maison? Attendez, elle est derrière, ça veut dire. Mais attendez, mais comment ça se fait? Anna, t'es où? Où est-ce que t'es, Anna? Où est-ce qu'elle est? Anna, t'es où? Oh, c'est bon, la partie, elle est finie, Anna, c'est plus drôle, c'est bon. Anna, attends, Anna, t'es par là? Attendez, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a quelque chose là-bas. Attendez, c'est quoi ce truc là-bas? Oh, il y a quelque chose dans l'eau qui flotte. C'est quoi ce délire? Oh, regardez, une caisse. Oh, peut-être un trésor. J'ai peut-être trouvé un trésor. Ouais, je vais être riche. Ok, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ouah. Un collier avec une dent de requin qui vient de Madagascar? Quoi? Waouh, trop stylé! J'ai trop envie de l'enfiler! Ah, trop stylé! Attendez, je vais l'enfiler! Waouh! Elle est trop belle! Elle est trop belle, cette dent de requin qui vient de Madagascar! En plus, j'aurais pu la trouver dans un kebab pakistanais, hein! Bon alors, voyons voir! Où est-ce que t'es? Anna, t'es où? Anna! Anna, où est-ce que t'es, Anna? Anna, c'est que... Oh, Anna, elle est là! Anna, coucou! C'est quoi ce délire? Maman sirène? Anna? C'est pas bonjour. Anna? Bonjour! Bonjour! Mais attendez, mais c'est quoi? C'est quoi? Viens dans l'eau! Vous êtes qui? Je suis maman Anna! Maman Anna? Et c'est qui ça là-bas? Papa sirène? Qu'est-ce que c'est quoi ce délire? Eh, viens dans l'eau, t'as le cadeau, viens dans l'eau. Mais non, mais ouais, je peux pas, viens mais dans l'eau, allez. Il y a ma copine Anna qui m'attend là-bas. Elle était là-bas. T'as le cadeau, allez, viens dans l'eau. Oui, je viens avec vous. Il y a plein de copines en bas. Oh, tu auras simplement 10 copines rien que pour toi. Il y a plein de copines en bas, je viens avec vous. Le débile, il arrive. Regarde, il est dans l'eau, il commence à nager. Attendez, qu'est-ce que je fais dans l'eau? Qui êtes-vous? T'as une queue. C'est quoi? Quoi? Je suis une sirène. Non mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais partie de notre famille maintenant, t'as le cadeau. Tu vas pouvoir venir avec nous, on va te montrer où on habite. Je suis dans un cauchemar ou dans un rêve? Allez, suis-nous. Oui. Dis-nous, t'as le cadeau. Je vous suis. Où est-ce que je suis? Il a un petit peu de mal à nager, mais c'est normal, il est tout jeune encore. Ouais, c'est pour ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? Dis-nous, t'as le cadeau. Où est-ce qu'on va comme ça? On va à la maison. Aidez-toi. À la maison? Mais moi, ma maison, elle est pas là.
Si, viens. Mais mon maintenant, père. Maintenant, elle sera ici, ta maison. Mon pose père. Pas de questions, il n'y aura pas de réponse. Ok, mais mon père et ma mère vont se poser des questions. C'est nous maintenant, tes parents, t'as le cadeau. Waouh, qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est le monde des sirènes, t'as le cadeau. Le monde des sirènes? Mais attendez, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Waouh, mais il y a plein de choses à explorer ici. C'est qui c'est? C'est magnifique. Viens, viens. J'adore. Viens ici. Viens, c'est ici ta maison maintenant. C'est notre maison à nous. Mais pourquoi elle est verte? C'est la maison de Papa Sirène. C'est la mienne. Ma maison est magnifique, hein. Ouais, super belle. C'est quoi cet endroit? Le lit, waouh, ok. Des placards. Trop beau. Ouah. Mais qu'est-ce que ça? T'as regarde, des placards, cadeau, c'est ici ta chambre. Ma chambre. Elle est magnifique, ma chambre. Waouh. Il y a plein de choses à découvrir. Ouais. Et comme tu vois, il n'y a pas un lit, il y en a deux lits. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir un petit enfant. Tu auras un petit frère, tel cadeau. Mais fallait pas le dire, ça. C'était une surprise. Pourquoi? Une surprise. Oh, c'est normal qu'il soit au courant. Il fait maintenant partie de la famille. Oh, mais c'est trop cool d'être une sirène. Et en plus, toi, t'as vu là-haut, là, quand t'étais simplement sur Terre, tu avais deux gros pieds tout moches, tout dégueu et tout. Et maintenant, tu as une énorme queue. Enfin, bah, toi, elle est petite, ouais, mais c'est vraiment énorme. Super stylé. Je peux nager vraiment super vite. Waouh, mais c'est quoi les autres endroits? J'ai envie d'explorer l'océan. Il y a des maisons, il y a toutes sortes de choses à explorer. Je te laisse partir avec ton papa, il va te montrer quelques endroits. Ok, papa. Tiens, viens ici. Oui, j'arrive, papa. Viens. Qu'est-ce qu'il y a ici? Voyons voir. Ici, alors là, c'est une maison, du coup, c'est la maison de Bernard, le voisin. Bernard, ok. Oui, et voilà, et son nom de famille c'est Larmite. Bernard Larmite. Ah, Bernard Larmite, ok, d'accord, stylé. Oh, ouais. Et qu'est-ce qu'on a en face là? Alors attends, je sais pas où est l'entrée, je crois que c'est par ici. Ici, waouh, une autre maison, c'est trop beau. Alors là, c'est plutôt un hôtel, tu vois, il y a qu'un lit. Ah, c'est un hôtel, ok. Je savais pas qu'il y avait des hôtels pour poissons sous l'océan. Hein. Ouais, bah ouais, effectivement. Mais en plus, vu qu'on est en manque d'oxygène, bah notre cerveau, bah tu sais, il est un peu en mode il y a un requin. Attention, 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 dans tel cadeau, attention, un requin, attention, il veut manger la queue. Attends, Harry, papa, attention, Harry, à notre bébé, attention à tel cadeau, je vais venir le buter. Il m'attaque, il va être le goûter, il va être le goûter. Au secours. Oh non, tel cadeau, il a été blessé, je crois. Okay. Oh, il l'attaque. Hop là, encore, c'est parti. Hop là, un autre requin m'attaque. Attendez, il y a quelque chose là-haut. C'est quoi cette chose? Un poisson. Ça, c'est un poisson. Waouh, waouh, ok, un poisson. Aïe. Tel cadeau, je pense qu'il vaut mieux que tu rentres à la maison. C'est encore un peu dangereux. Hein. Oui, je vais rentrer. Je peux pas me défendre tout seul. Merci, papa et maman, de m'avoir sauvé. De rien. Il y a pas mal de dangers sous l'océan. Tu sais, tel cadeau, il va falloir faire très attention. Il va falloir qu'on t'apprenne à survivre sous l'océan. Sous l'océan. Lili. Sous l'océan. Bon, ok, il va falloir que... est-ce que maman, tu pourrais me donner à manger, s'il te plaît? Bien sûr, je vais chercher ça. Elle est trop lente, tiens. Je voudrais du poisson. Ah non, il faut manger de la viande. Ok, ça, on le vole aux humains. Je mange de la viande, alors. Pourquoi tu lui as pas donné du crabe? Parce que j'ai pas trouvé. Du crabe? Très bon, le crabe, en plus. Ah ouais, le crabe, c'est trop bon. Il est derrière. Où est-ce qu'il est? Sinon, je peux te donner les crocs Scooby. Ah, les crocs Scooby, vas-y. Vas-y, papa. Fais-nous. Smee, Scooby, donne-moi les crocs Scooby. C'est super mal fait, papa Waris. C'est super gênant. Non, c'est surtout super mal fait. J'ai connu mieux. Bon, viens avec nous, tel cadeau. Il faut qu'on t'apprenne à nager, etc. On va aller apprendre le crawl. Oh, le crawl, j'adore le crawl. Comment on fait? On va aller juste derrière. Ok, c'est parti. Normalement, il y a tout d'installer. C'est juste ici. C'est pour apprendre aux plus jeunes à nager et à tirer sur des cibles. Ok. Oh, stylé. Alors, comment est-ce qu'il faut que je fasse? J'y vais en premier. Tu as juste à avancer et à passer dans les cercles. Dans les anneaux. Youhou. Ok. Et après? Et après, tu devras passer entre les bâtons qui sont là-bas et descendre dans un souterrain. Tu vas très bien t'en sortir, tel cadeau. J'en suis persuadée. D'accord, moi, maman. Je suis pas sûr. Merci. Bon, alors, je vais y arriver. Bah, papa, tu vas voir. Je vais te prouver que je suis
le plus fort. Allez, impressionne-moi, fiston. Ok, c'est parti. Ok, wow. Moi, je pense qu'elle s'est bouffée par un requin. Oh là là, qu'est-ce qu'il raconte? Non, je vais jamais me faire bouffer par un requin. J'arrive à nager, regardez, je passe dans tous les anneaux. Ok, parfait. Ok, là, il faut que je passe là. Parfait, mon là, fils. Là, là, là. Et là, tu peux chanter une musique, mon fils. Oui, quelle musique? Santiano. Tu connais pas? Si, si. Tiens bon la barre et tiens bon le pont. C'est quoi le pont? Le non vent. Non, le vent. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Ouais, ça. Tiens bon le. La vague et tiens bon le vent. Iseo. Santiano. Santiano. Si Dieu veut, toujours droit devant. Nous irons jusqu'à San Francisco. Félicitations. Tu verras, t'as le cadeau. Ici, sous la mer, on chante énormément. Ah ouais, trop bien. Bon, je crois que j'ai réussi cette épreuve, en tout cas. Oui, c'est superbement bien réussi, t'as le cadeau. Maintenant, tu vas devoir tirer sur toutes ces cibles et les allumer. Je te donne un trident, rien qu'à ta taille. Il est juste au-dessus de ta tête. Ouais, je vais le récupérer. Hop là. Vite. Ok, oui, tout de suite. Moi aussi, j'en veux un, femme. Alors, je t'en ai donné un. Voyons il est là-bas. Alors je vais tirer. Ok. Ouh, je vais y arriver. Je suis le roi Poséidon. Ah, je me suis loupé. Il t'en faudrait d'autres, hein. Ouais, il m'en faudrait d'autres. Ok, je vais recommencer. Cette fois-ci, je vais y arriver. Voyons voir. Ouais, papa, t'es pas très fort non plus, hein. Ouais, non mais moi je me suis fait vieux. Ouais, je vois ça. Hop là. Oh, ok, là je vais y arriver. Ok, on va se poser. Hop là. Ok, parfait. Hop là dans le mille. Boum. Touché. Oui. Ensuite, boum, dans le mille. Réussi. Ensuite, boum. Ah, loupé. Ok. Ok. Boum. Quoi? L'a encore loupé? Hein? Quoi? Boum. Quoi? Attendez. Pourquoi j'y arrive pas? Je n'y arrive pas. Ce n'est pas grave, le cadeau, c'est normal. Au début, c'est vraiment compliqué. Hein. Ah ouais, non, mais c'est super dur. Attends, je vais pas moi, je vais essayer d'y réarriver. Enfin, d'y arriver. Il y a une première fois à tout. Hein. Ouais, je vois ça. Là, j'ai réussi. Et là. Boum. Wouhou. Super, t'as le cadeau. Tu vas pouvoir faire pareil, mais avec des poissons cette fois-ci pour apprendre à chasser. Apprendre à chasser d'accord. On va se mettre juste ici. Mais c'est pas un peu compliqué avec les poissons? Tu verras, tu vas très bien t'en sortir. Et on pourra même te donner, regarde. Je vais te donner une épée. Ok. Une épée. Une épée spéciale des sirènes. Attention. Fais attention, mon fils. Elles sont super dangereuses. Super dangereuses? Oui, ça dépend. Elles ont des pouvoirs magiques. Par exemple, la mienne, quand je tape dedans, ça met un orage qui vient du haut du ciel jusqu'aux océans. Waouh. Et la mienne, elle fait quoi? Rien, elle est nulle. Ah, vas-y, maman, je suis prêt. Allez, c'est parti. Je vais mettre des poissons que tu vas devoir tous tuer. Vas-y, t'as le cadeau. Ok. Boum. Ok, one shot, c'est bon. Ok, maintenant, le prochain... Boum, à la chasse. Ouais. Et maintenant, je vais mettre un dernier coup au dernier poisson. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il faut que j'arrive à me nourrir. Il est juste là. C'est parti. Boum. Il en reste un aussi, t'as le cadeau. Il est orange, il est tout petit. Il est orange, il est tout petit. Où est-ce qu'il il est? Il est sur le sable. Il est là. Oh, il est tout mignon. Est-ce qu'on peut l'adopter? Si ça te fait plaisir, t'as le cadeau. Après tout, les poissons sont aussi nos amis. C'est un escargot de mer, j'ai trop envie de l'adopter. Aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe, t'as le cadeau. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un pêcheur, il est en train de m'empoisonner. Ah, un pêcheur? Je vais le tuer. Aïe. Non, maman, n'attends pas. Il est empoisonné, il parle des océans. Non, maman, non. Maman, non. Aïe. Non. Pourquoi t'as tué le pêcheur? C'est comme ça, t'as le cadeau. Les humains, ils sont mauvais, ils polluent. Non, mais maman, mais tu peux pas faire ça. Pourquoi t'as tué l'humain? C'est un pêcheur. C'est comme ça, t'as le cadeau. Les humains, ils sont méchants avec nous. Ils nous capturent. Ils capturent nos poissons, ils polluent nos océans. Maman, mais il faut pas être, il faut pas avoir un esprit de revanche comme ça. Il faut laisser les humains tranquilles, maman. Tu verras, ta cadeau, tu apprendras très vite. Ok, si tu le dis, maman. Mais choupinou d'amour, chéri. Papa. Mon sucre d'orge, comment ça va? Ça va, je me suis fait attaquer par un humain encore une fois. Ah, j'espère que tu l'as terminados. Oui. Ah, c'est bien ça, il faut toujours les éliminer, ils sont super méchants. Oui, mon fils. Non, y a rien, mais j'étais pas forcément super d'accord avec ce qu'a fait maman. Ah oui, donc tu préfères qu'elle se fasse attaquer, qu'elle se fasse manger dans une
assiette avec un peu de persillade et un peu d'huile d'olive. Non, pas du tout, mais je suis pas sûr qu'on soit obligé de tuer les humains. Y a pas le choix, tout simplement, c'est soit on les tue, soit ils nous tuent. Ok. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui, tu t'es bien fait comprendre, bref, papa. Les amis, tout simplement, j'ai une nouvelle annonce, un peu triste, mais en même temps, plutôt stylée. Qu'est-ce qu'il y a? Le roi des sirènes est mort. Quoi? Oh non, le roi des sirènes! Le roi des sirènes? Quoi couper? Ouais, et c'est bien lui. Simplement, il est mort. Et le problème, c'est qu'on a obligatoirement besoin d'un nouveau roi des sirènes. Donc, il va falloir simplement en élire un nouveau. Mais il faut faire des épreuves. Et je pense que simplement, mon fils, tu es vraiment très adapté, car moi et ta mère. On est un petit peu vieux, quoi, maintenant. On est un petit peu vieux, ouais. Je pense que ça serait bien que tu prennes notre place. Ok, mais vous êtes sûr qu'à mon âge, je peux être le roi des sirènes? Oui, tu peux. Oui. Et j'ai vu que tu avais toutes les capacités, tel cadeau. Tu es très, très fort. Alors, je suis pas sûr de ça non plus, mais il va falloir faire les épreuves pour voir si simplement tu es capable d'être le roi des sirènes. Ok, d'accord. Et comment est-ce qu'on devient le roi des sirènes, si vous le dites? C'est par là, les épreuves sont ici, si je m'en souviens bien. Maman. Oui. Tu vas devoir descendre là-dedans, t'as le cadeau. Descendre là-dedans, c'est quoi cet endroit? Et vous m'accompagnez? Non. Quoi? Ne t'accompagnons pas. Pourquoi? Tu vas devoir faire ça tout seul, malheureusement. Ciao, bonne chance. D'accord, papa. C'est quoi cet endroit? Ça fait flipper, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a là? Alors, c'est quoi cet endroit? Ok, ça commence directement comme ça. D'accord, ok. Bon, alors on va continuer les épreuves, si c'est déjà ça les épreuves, je ne sais pas. Pour devenir le roi des sirènes. Oh, mais quel est cet endroit? Ok, voyons voir par là, ok. Ok, on continue par ici. Ça me paraît bien calme par là. J'aime pas trop ça, ça me paraît un peu simple comme épreuve quand même. Y a quelqu'un ici? Allô? Ok, personne. Ok, par là, voyons voir. Oh, ça me paraît bien. Ah, j'allais dire ça me paraît bien calme. Mais oui, ça me paraît bien calme. C'est quoi ce truc? Un requin qui m'attaque. Ah, ok, un requin mort. Bon, alors on en a buté un. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Ah, il y en a d'autres. Ok, il faut s'en occuper. Hop là, boum, boum. Oh, ils m'attaquent, ils sont chauds. Oh, ils sont chauds. Ok, maintenant son tour à lui. Ok, allez, je le bute. Boum, c'est terminé. Ouh. Ok, c'était ça l'épreuve pour être. Je crois que je suis maintenant le roi. Je vais pouvoir ressortir d'ici et retrouver ma famille. Je crois que je suis peut-être pas le roi, mais du moins le prince de ce royaume. Papa, maman, vous êtes où? Vous êtes là? Oh, il y a quelqu'un? Vous êtes à la maison? Ouh, il y a quelqu'un? Ça vient d'où? Attendez, ça vient d'où? Quoi? Regardez-moi ça. Ah, y a un bateau là-bas. C'est quoi ce délire? Peut-être que mes parents sont en danger. Il faut que j'aille les sauver. Waouh! Waouh! Ah, mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? Les cadeaux viennent de sortir d'ici. On a été capturés par des pirates. C'est bon, t'as la couronne. Oui, j'ai la couronne. Mais le roi est là? Il doit y avoir ce qu'il faut en haut, je pense, t'as le cadeau. Il faut vite que t'ailles nous sauver, s'il te plaît. Fais de ton mieux, fais attention. Dépêche-toi, vite. Ok, je vais venir vous sauver. C'est parti. Je suis le roi des sirènes. Ok, je retrouve mon attitude normale. Ok, voyons voir. Quelqu'un est sur ce bateau, mais qui? Voyons voir. Quelqu'un. Oh, regardez-moi ça. Un pirate là-bas. C'est lui qui a dû capturer ma famille. Ok, il faut que j'aille m'occuper de lui. Ok, mais qu'est-ce que je vais faire? Le roi des sirènes contre un méchant pirate. Je vais l'avoir. Je vais m'occuper de toi, pirate. Qu'est-ce que vous faites ici? Ok, voyons voir. Regardez là-bas, un pirate. C'est lui qui a dû capturer ma famille. Ok, je vais m'occuper de toi, matelot. C'est du bon bois. Hey, matelot. Oh. Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Je vais m'occuper de toi. C'est toi qui a capturé ma famille. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Comment tu sais ça? Je les ai vus en cage en dessous, hein. Ils sont enfermés dans une cage. Libère-les tout de suite. Ok. Ouais, je vais récupérer ça. J'aurais donné des croquettes pour qu'ils mangent. Ah ouais? Je vais. Ah! C'est quoi, délire? C'est quoi? Ah! Défends-toi et bonne chance. Ah! C'est quoi ces trucs là? Wow. Ok. Je vais les buter. C'est quoi ces trucs de zinzin là? Aïe. Tu n'y arriveras pas. Aïe. Ils vont t'éliminer. Aïe. Ils vont sûrement pas m'éliminer. Ah!
Oh, 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 ils sont chauds, ils sont chauds, ils sont chauds. Ok, il va falloir que je me cache. Allez, lancez-lui des harpons. C'est parti. Ok, boum, boum, boum. Ok, il meurt. Boum, 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 boum. Achika, chika, boum. Ah, mais... Oh, oh, il m'a stun mi-coeur. Il m'a stun mi-coeur, il m'a stun mi-coeur, il m'a stun mi-coeur. Ok, allez, lancez-lui des lances. Ok, c'est parti. Il va falloir que j'y retourne et que je m'occupe d'eux. Ils m'ont l'air... Ils sont super puissants. Ils sont super puissants. Ok, c'est parti. Ok, lui, on va s'occuper de lui. Boum, boum. Ok, les petits aussi, on s'en occupe. Et après, on s'occupe du matelot. Matelot, je vais venir m'occuper de vous, pirate. Ah, je vais venir, matelot. Un homme à la mer, c'est parti. Oh, aïe, 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 arrête ça. Ok. Aïe, aïe. Ah, ça fait mal, arrête de me taper. Ça fait mal, arrête de me taper. Pourquoi j'arrive pas à le tuer? Ah, il est chaud, le pirate. Ok, boum. Ok, c'est bon, j'ai réussi à m'occuper de lui. C'est bon, je vais pouvoir aller libérer ma famille. Boum. Ok, c'est bon, je vais libérer ma famille. C'est parti. Dépêche-toi. Oui, Edno. Papa. Oui, j'arrive, j'arrive. Edno. Je viens vous libérer. Je viens vous libérer. Ok, me voilà. Attention derrière toi, tel cadeau. Ah, il y en a d'autres qui arrivent. Ok, boum, boum, boum. Chica, chica, boum, boum. Ok. Oh, 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 mais il y en a d'autres qui spawn. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Okay. Attention, t'as le cadeau. Ouais, ouais, je fais attention. Ok, tac. Oh, ouais. Oh, ils montent cash. Ah, ils sont chauds, hein. Et... boum, le dernier, voilà. C'est parti. Je viens vous libérer. C'est parti. Okay. Ouais, libérez-moi, copain. Je suis libéré. Allez, venez. Il a le cadeau. Délivré. C'est parti. Par contre, t'as le cadeau, tu dois rendre quelque chose. Quoi? Oui, tu as sur la tête. Tu vas devoir rendre la couronne au roi. Je dois rendre la couronne au roi? Non, c'est pas vrai. Il n'est pas mort, t'as le cadeau. Monsieur le roi. Oui. Je vous rends ce qui vous appartient. Oh, je vous remercie infiniment, monsieur. Comment vous appelez-vous? Talcado. Je vous remercie énormément, monsieur Talcado. Vous savez quoi? Je vais vous offrir une magnifique maison pour ce cas. Oh oui, une maison, une maison. Bravo, Talcado. Merci. Bon, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Il y a deux vidéos qui s'affichent sur votre écran. C'était Talcado, Anna et Awaris. Ciao, ciao, les potes.